Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Mind Test for Fun. Épisode un peu spécial pour deux raisons. La première, c'est que c'est le premier anniversaire de ma chaîne. Et ouais, j'ai assez halluciné ces derniers temps. Vous êtes maintenant 61 à me suivre, vous donnez des comptes. Et ça fait super plaisir. Voilà, du coup, on va commencer avec un petit time-lapse. Histoire de voir un peu ce qui s'est construit récemment chez moi. Et ensuite, on va partir en promenade pour casser de la glace. Vous allez comprendre. Allez, sur ce, je vous laisse avec le premier timelapse. A tout de suite, les amis. Et on se retrouve, les amis, après ce timelapse. Donc, comme vous voyez, ça a bien avancé. C'est cool, là, on a maintenant un... Oula, je vais n'importe où. On a maintenant une vraie toiture qui avance. Et puis là aussi, on a une bonne idée de ce que ça va donner comme bâtiment à la fin. Alors, à noter quand même un truc assez marrant. On a... Ici, on est sur un mur porteur. Hein. Comme vous voyez, ça va vraiment aller tout le long comme ça. Il y aura des ouvertures pas très grandes taillées dedans. Et en fait, manque de bol, si on veut, c'est que là, on n'est pas tout à fait symétrique. Alors, je sais pas encore ce que je vais en faire. Franchement, j'ai assez envie de le garder comme ça et de mettre une tour d'observation par là. Ça se faisait, je le sais, donc je me dis, pourquoi pas. Enfin, je dis tour d'observation, c'est une petite tour comme ça pour admirer la vue. Puisqu'on a une vue vachement sympa. Hein ? On va juste retourner au bord là pour voir. Et peut-être que vous notez un truc. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toute cette glace? Eh ben justement, on va le découvrir tout de suite. Ah mais t'as déjà commencé? On ouais. Ne fait pas silence, moteur, ça tourne, action. Non, non, machin. Non, voilà. Joli parcours, c'est bien.
Non, parce que j'ai décidé de la faire à la Running Game. Je me suis rendu compte que se prendre la tête avec ce genre de truc, ça change rien à part que ça enlève la spontanéité. Donc autant dire go, on y va, puis voilà, on y va, puis... Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais j'avais déjà commencé. Hein. Oui. Il a manqué des petits bouts. Mais moi aussi. Ouais. Ah, c'est intéressant, il y a deux niveaux de place ici. Il y a même plus après. Hein. D'accord. Après, ça descend vachement, vachement profond. Hein. Bah, on verra bien ce qu'on nous fait à ce moment-là. Mais par contre, machin là-haut, il va nous voir. Oui, il ne voit pas directement, il voit la glace qui disparaît, puis dès qu'on est assez près de lui, dès que toi tu peux le voir en fait, et ben lui te voit. J'ai la mitrille aussi, si tu veux. Ouais, ben c'est bon. Le mitrille, je pars d'idée que si j'en ai assez pour en utiliser, ben c'est cool pour moi, mais je vais en tout cas pas le piquer chez les autres. C'est juste une question de principe. Mais en fait, c'est du mitrille que j'ai eu en faisant les quêtes, là. Ah ouais, bien sûr. Ouais, j'en ai qui pas mal. Qui n'en est plus. Il n'y a plus de mitrille maintenant dans les quêtes, si ? Je sais pas. Je crois pas, non. Ah oui, mais seulement si tu chopes des diamants. Donc il te faut je crois 10 diamants, quelque chose comme ça, pour que ça marche. Ah mais attends. J'attends. En fait, à la pelle... Enfin attends, non mais attends pas. À la pelle, tu peux casser la glace aussi. Ah ouais. Allez Zou, on va faire du déneigement. Déneigement massif. On va t'appeler la déneigeuse. Ouais. T'es sage. C'est bientôt l'hiver qui arrive, alors maintenant. Oh mon dieu, on a pour des siècles. Mais oui. Oh que c'est parce beau. Parce que quand t'as deux étages, t'as le deuxième étage qui se remet quoi. Ouais. Ah peut-être qu'en protégeant le terrain, on peut s'épargner non, ça. Non, je sais, avec un seau d'eau, ça devrait partir. Ah ouais, pas faux. Attends, on va essayer de balancer un seau d'eau. Oula, attends. Ou alors ça te congèle et... Non, l'eau ne congèle pas. Ah non, pas les blocs entiers peut-être. Alors, on va voir. J'ai balancé de l'eau. Elle ne fait rien. Ok, je remets l'eau. Ah, elle coule pas parce qu'il y a des petits bouts de neige autour. Donc l'eau là, elle se considère comme enfermée. Bonjour. Yeah, qui vient casser de la glace avec nous? Faut briser la glace. Ouais, bon, on va briser la glace. La 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 la. Genre, c'est vraiment un épisode maxi timelapse en fait. En fait, là, tu fais une belle surface bien comme il faut. Moi, je fais en mode gros bulldozer qui se promène un peu dans tous les sens comme ça au pif. Voilà, comme ça, on est obligé de courir dans tous les sens après. Ah bah écoute. Eh, viens pas chez moi là. C'est pas que c'est séparé en deux. Ah voilà. Yes, j'ai réussi. Le cyber troll a frappé. Vite, fuyons. Fuyons. Courage, fuyons.
fait, je suis en train de réfléchir, mais les pelles, elles cassent le... la glace aussi, non? Oui, c'est ce que je suis en train donc de faire. Donc en fait, j'ai fait des pioches, donc avec 3 diamants, alors que les pelles, ça suffisait. Oui. C'est ça. Putain, mais quel con. Non. Oh là là. Mais si, j'ai gaspillé, où? Ouais, mais c'est pas grave. Toi, tu t'en fous, c'est pas les tiens, mais bon. Ça peut s'utiliser à d'autres occasions, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si tu pouvais... C'est pas comme si tu pouvais les garder que ce soir. Ah, ça y est, je sais, il faut que je fasse un mode. Mode bière. Tellement. C'est vrai qu'elle vient automatiquement quand tu... Ok, il y a Kraman qui est immobile. On va lui montrer ce que ça coûte d'être immobile. Travail, esclave. Hop. Vu d'ici, on dirait que tu lui mets des coups de pelle sur la tête. Voilà, c'est bon, il est enfermé. Il va se noyer, arrête. Non, il peut pas se noyer. Comment tu traites tes ouvriers? Je sais pas s'il faut dire ouvrier ou esclave. Je sais pas non plus. Mais non, c'est les gentils participants à ma vidéo. Ah, ok. T'as vu que je suis sous la glace, je suis caché derrière la glace, et je suis debout, et je suis au sec. Yeah. T'es toujours au sec? Ah ouais, je suis toujours au sec. Ah, sauvage. Fuyons. Non. Où est ce troll? Ah mais le pire, c'est que c'est même pas toi, je crois, là. C'est vraiment un rollback qui m'a... Ou bien... Non, c'était moi. J'ai ouvert la trappe. En fait, j'ai tellement de cubes autour de moi. Allez. Pas vulgaire, s'il te plaît. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, je vide mes poches là parce que j'en ai un 10. Peu trop. Ok, je viens de vider 1000 blocs de glace. De les jeter comme ça, pouf. Au revoir. Ouais. Tu les as jetés où? Dans le trash? Non, je les ai. Oui, pardon. J'ai pris 10 stacks, puis après j'ai complété avec 10 blocs. Y'a un troll qui m'a tapé dessus. C'est pas moi. Ah, je savais que c'était pas toi. Heureusement.
Aïe. En fait, c'était la fin. Bon les amis, on se retrouve, on est donc quelques jours plus tard. Je voudrais encore dire un immense merci à Farfadet46, à B91B et à Crabman qui sont venus comme ça d'un coup pouf pour m'aider pour cette histoire de glace. Et ils étaient vraiment pas trop hein, puisqu'on a fait entre guillemets que 60 blocs de longueur là. J'ai calculé, ça doit faire à peu près 10 à 12 000 blocs minés quand même hein. Donc ça fait beaucoup. Et puis bah il y a encore ce petit bout là je pense, enfin vous voyez bien il y a un trait de coupe que ça va être prolongé. Je sais pas si on fera un jour la fin là parce que ça va prendre un sacré bout de temps. Mais bon voilà, moi je ferai ce petit bout là hors caméra. Comparé au reste c'est presque facile. Voilà. Bref, les amis, moi je vais vous abandonner ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde! C'est quoi votre repas national, on va dire? Écoute, il y en a plein. S'il y en a un. Fondue, raclette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pom. Je réfléchis. Hein. La saucisse au chou. Bah, dit ma copine. Mais c'est déjà pas mal. La saucisse au chou. Oui, c'est pas le chou à la saucisse. Non, c'est une saucisse. Donc t'as du à base de porc a priori au chou. Donc dedans il y a du chou aussi. Et ah, tu manges okay. Ça, je crois, avec de la choucroute, si je me souviens bien. Avec du papé vaudois, pardon. Papé au poro. C'est toute une histoire. C'est bien bon le papé au poro. Alors, si jamais le papé au poro, c'est un truc à base de purée de patates, si je me souviens bien, et de poro. Vu que madame n'a rien dit pour me contredire, je pense que ça doit être juste. C'est pas de la purée, c'est de la patate, mais, dit-elle. Ah, et vous dites patate et pas pomme de terre? Ah non, chez nous c'est patate. Enfin, ouais. Ouais, moi je dis plus volontiers patate que pomme de terre, mais après... Après, on comprend pomme de terre. Ah, c'est et vous pas dites comme chocolatine ou pain au chocolat? Ah non, pain au choc. Refais-moi ce pfff pour voir.